Et il n'y a pas que Citroën qui célèbre un siècle d'existence, puisque juste à côté, sur un stand certes beaucoup plus modeste, on a aussi Bentley qui célèbre ses 100 ans. La marque britannique profite en fait du salon français pour débuter les célébrations de cet anniversaire qui vont se dérouler tout au long de cette année, notamment en France au 24 heures du Mans et ensuite à Chantilly. En attendant, on retrouve à côté de la dernière année la Continental GT Cabriolet, le XP2. C'est la plus vieille Bentley encore existante. Elle date de 1919. Elle reprend certaines pièces du tout premier modèle sorti aussi lui en 1919, quelques mois plus tôt. Le XP1. Le XP2 signe la première victoire de la marque en compétition à Brooklands en 1921. La voiture était animée par un 4 cylindres 3 litres qui permettait d'aller jusqu'à 130 km/h. Et c'est d'ailleurs avec ce moteur 3 litres que Bentley remporte les 24 heures du Mans en 1924. Au volant, on retrouve le même pilote qu'en 1921, un Français, Franck Clément, qui le partage avec un Anglais. Bentley remportera plusieurs fois les 24 heures du Mans dans les années 20, et la compétition, c'est dans l'ADN justement de Bentley. Et on retrouvera alors beaucoup plus tard Bentley victorieux une nouvelle fois au Mans. C'était en 2003, mais là, c'était plus ce moteur 3 litres.